je vous remercie d'être venus, mesdames et messieurs les élus. Je remercie madame Marty et son personnel qui nous ont accueillis avec de l'entrain et qui nous ont soutenus. Petite anecdote, nous avons accroché les photos vendredi dernier, dans le week-end elles sont toutes tombées. La chaleur et les adhésifs qu'on avait mis, ça incompatible. Donc on a passé une journée et demie à remettre en place. Et depuis ça tient, on est content. Donc cette exposition, on l'a imaginée après la période de confinement, on était tous un peu bloqués, où l'activité du club était réduite à sa plus simple expression, puisqu'on ne pouvait même plus se rencontrer comme ça. Et donc, on a discuté entre nous et on a eu l'idée de faire une exposition thématique. Au départ, c'était l'idée du concours, puis après, on est arrivé à juste une exposition thématique. On a mis quelques thèmes dans un chapeau, on en a sorti trois au hasard. Contraste, couleur, flou et net, parce que ça, c'est de la technique photographique, je ne l'ai pas mis dans le titre comme ça. Et à charge pour chacun d'inventer des images ou de piocher dans son stock des images qui répondent à un ou plusieurs de ces thèmes. Donc contraste, couleur, flou et net, pour présenter quelque chose d'original, d'inventif, de créatif. Et je veux dire que tout le monde a relevé le défi. C'est un plaisir à voir. Et il y a eu des questions sur la technique. On a répondu, puisqu'on est dans un club où on s'entraide, ceux qui savent un peu plus aident les autres. Et quand il y a l'envie de faire, et ben on arrive à un résultat de qualité. Personnellement, je suis content d'avoir vu ça, d'avoir vu émerger ces images-là. Okay. Et je lance un défi au club photo, on va en reparler à la rentrée, c'est j'aimerais bien que tout à chacun se sente prêt à relever ce défi de la qualité, de créer des images, d'être inventif, de se renouveler si besoin, et ou de sortir de ses propres sentiers battus. On a des cas comme ça, on a des copains qui n'avaient pas l'habitude de faire ce genre d'images en couleur, qui en faisaient d'autres, et ils disent bah, ça m'a obligé à sortir de mes habitudes, de mon sentier de confort, et je trouve que c'est motivant. Okay. Et on a l'exposition, elle dure tout l'été. Donc vous pouvez y revenir avec d'autres personnes jusqu'au 3 septembre, jusqu'au jour du forum des associations, elle est là. Et à côté de ça, on a une exposition permanente qui est notre site internet où on a des adhérents qui postent régulièrement des photos. Vous pouvez aller voir aussi, c'est notre façon de nous montrer et de montrer de l'image le plaisir qu'on a à les faire. Voilà. Message. D'autant plus que voilà, je vois des visages familiers. Voilà, puisqu'on s'est rencontrés il y a une dizaine de jours à quelques mètres de là pour le vernissage des Amis des Arts. Donc c'est une belle dynamique culturelle et artistique qui s'est installée pour l'été. Vous avez pris vos quartiers un peu voilà, dans les jardins publics, entre la photo, le dessin, la sculpture. Donc ça c'est une bonne chose. Un petit peu dans le quartier culturel saint-africain finalement, oui, là en ce moment, c'est magnifique. D'autant plus que voilà, vous participez... voilà, sur différents clubs, pour certains, voilà, je vois vraiment des personnes qui entretiennent cette dynamique au niveau de la ville, c'est formidable. Et puis bon, ben, la MISA, comme toujours, est la première voilà, à se prêter au jeu, c'est le cas de le dire. C'est quand même un magnifique outil culturel pour la lecture, pour les jeux, pour les films et également voilà, pour les expositions de tous horizons. J'insiste sur l'accueil chaleureux que nous y avons. Tout à fait, oui, je sais que c'est très très réceptif à ce type d'animation. Toujours très très bien reçu. Donc voilà, c'est ce pool un peu culturel qui se crée ici nous convient parfaitement. Voilà, si d'autres idées peuvent émerger d'expositions ou de liens avec l'intercommunalité ou avec les collèges ou de l'événementiel sur Sainte-Afrique pour se greffer voilà, au niveau de la photo, je sais que vous participez aussi au Téléthon. On est ravis de vous soutenir et puis on vous suit à chaque exposition. Bien, voilà. Dans ce sens, c'est bon. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous pour votre action. On a beaucoup parlé, on a donc soif. Oui. Oui, je crois.